Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Évidemment, ce que ta question me semble importante, mais ce qui arrive, c'est que lorsque toi tu viens en aventure, lorsqu'on dit que quelqu'un vient en aventure, c'est qu'il est venu de manière illégale. Il est venu avec un visa pour touriste et il est resté, il n'est pas reparti au pays. Et lorsqu'on reste, les conditions sont difficiles. C'est-à-dire, ça, les conditions sont différentes lorsque tu es venu et en tant que célibataire. Tu vas te dire, bon, si je trouve quelqu'un que j'aime et qui m'aime, ça peut aller, je n'aurai pas offensé quelqu'un au pays. Par contre, toi, tu es venu avec une bague au doigt. Donc, si la seule option qui te reste entre les mains, c'est le mariage, comment tu vas te marier sans offusquer ta femme qui est au pays? Et comment tu vas te marier sans que cela ne te crée des problèmes à l'immigration? Donc, tu es dans cette incertitude-là, dans ce trou. C'est la situation devient difficile parce qu'il va falloir convaincre l'immigration que ton mariage est basé sur l'amour et que tu n'as pas une autre femme ailleurs. Une fois qu'on découvre que toi tu as une autre femme ailleurs, on te traite de polygame, donc on annule ta demande de carte verte. Donc, c'est tellement difficile. Alors, si lui, il est déjà arrivé ici, il va faire venir sa femme de quelle manière, si lui-même, il n'a pas de papier? Pour faire venir sa femme, il faut soit la faire venir en tant que... lorsque tu as déjà la nationalité, tu peux la faire, on peut faire le rapprochement d'époux, mais toi-même, tu n'as même pas encore des papiers, comment tu vas la faire venir? C'est-à-dire, si tu te maries à une autre femme, et que par exemple, toi tu as divorcé d'elle, tu te maries avec une autre femme, là tu auras des papiers. Maintenant, si tu te sépares encore de cette femme-là pour te remarier avec elle, c'est une autre possibilité. Sauf que ce sont des années qui sont déjà passées. Et beaucoup d'eau a déjà coulé sur le pont. On ne sait pas si lorsque l'eau a coulé sur le pont, l'eau a entraîné énormément de choses. Beaucoup de sentiments se sont enfuis. Dieu seul sait.